Va te reposer chez toi alors si t'es fatigué. Les revendications, elles sont simples. On veut la renégociation du contrat social global. Parce que le contrat social global, il nous a été imposé de force en 2017 à l'Assemblée plénière. Il est passé à une voie près. Et en fin de compte, contre l'avis de toutes les organisations syndicales. À l'époque, on était 5. Et du coup, voilà. Et nous, ce qu'on revendique, c'est une amélioration, que les gens puissent vivre de leur salaire, de leur travail dignement, parce que les agents du conseil régional ne sont pas assez payés et on ne peut pas vivre correctement de notre travail. Il y a des gens qui sont obligés de retravailler le soir pour faire vivre leur famille et ça, c'est totalement inacceptable. Surtout que dans le même temps, injustice sociale terrible, les élus, eux, s'étaient augmentés de 300 euros par mois minimum. Donc voilà, et ceux qui ont le plus les catégories les plus nombreuses, donc les catégories C, malheureusement les catégories B et les catégories C, eux ne sont pas assez payés et donc ils ont de plus en plus de déplacements. Donc leur pouvoir d'achat diminue même parce qu'en fin de compte, comme dans les lycées ils font travailler 6 jours de plus, et puis ils font travailler aussi les agents du siège plus de jours, et bien du coup en fin de compte il y a plus de frais de garde d'enfants, de frais aussi de déplacement, etc. Et voilà. Et là, on a vu dans le document que, par exemple, ils ont distribué une prime au mérite, qui fait partie, qui est pour les agents du siège. Et en fin de compte, cette prime au mérite, elle revient que aux gens qui sont à la direction. Et les autres ne sont pas touchés, n'ont pas de prime. Et en fin de compte, nous on réclame que cette prime qui est au mérite soit donnée à tout le monde pour que ça fasse une prime d'été. Ça ferait 200 euros, c'est vraiment pas grand chose, c'est un pansement sur une jambe de bois comme on dit, mais voilà, au moins il y aurait quelque chose. Et voilà, donc nous n'acceptons pas ces mesures sociales destructrices et donc on revendiquera toujours, on a toujours revendiqué des avancées de carrière, etc. Mais il y a un moment, il faut qu'on soit entendu, parce que là, c'est que de l'affichage, que du blabla, c'est ce qu'on a dit à la présidente. Sur notre déclaration, c'est marqué qu'on en a marre des discours soporifiques, voilà, et que pour nous, c'était important qu'ils entendent nos revendications, et à préciser que quand même, aux élections professionnelles, on est le seul syndicat qui a progressé, et donc il faut qu'elle s'inquiète quand même, madame la présidente, elle doit entendre la revendication des agents. Et donc là, c'est le bilan du contrat social global pour le siège et pour les lycées. Mais pour les lycées, c'est donc c'est le bilan pour l'année, parce que les lycées, ça a été en décalé. D'accord. Voilà. Et pour les sièges, c'est quoi, 18 000 C'était une année supplémentaire. Une année avant. Donc voilà. Et du coup, en fin de compte, l'application dans le lycée, c'était à partir de septembre. Donc du coup, là, il nous l'a fait le dernier jour de travail des agents, que ce soit le lycée ou le siège, la plupart des agents, la majorité des agents finissent le travail aujourd'hui sur la compagnie. Donc elle a fait exprès de mettre ce jour-là pour éviter une mobilisation importante, c'est clair. Et par rapport à ça, les revendications sont toujours les mêmes. On travaille plus pour gagner moins. Il n'y a pas eu d'alignement sur le meilleur des deux régions, voire la fusion. Donc les acquis sociaux ont été bradés. Plus de temps de travail. On travaille 6 jours de plus sans aucune compensation. Pour les agents des lycées. Pour les agents du siège, c'est pareil, hein, ils travaillent sans aucune compensation financière. Pendant que les élus sont augmentés de 300 euros par mois minimum. Au niveau aussi, il y a des primes qui sont données à la plupart des directeurs, des primes de 3000 euros. Et pour les agents de plus basse catégorie, c'est le CIA, c'est ce qu'ils appellent le CIA, c'est un complément indemnitaire. Donc c'est sur la manière de servir. Et nous on a fait un petit calcul par rapport à ça. Si on divise par le nombre d'agents, ça ferait 200 euros par agent pour tous les agents.
Et c'est ce genre de prime, ça divise les agents, parce qu'en fin de compte, c'est la manière de servir, c'est un peu la tête du client. Et on ne voit pas en quoi nous, des agents de siège qui sont dans l'exécution, ou des agents de lycée aussi qui sont dans l'exécution, ne méritent pas d'avoir une prime par rapport à ce qu'ils font, parce que les agents de lycée, ils ont les horaires décalés. Ils travaillent de 6h à 15h, ils font l'entretien, ils font la restauration pour les élèves, donc on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de prime par rapport à ça. Et pareil pour les agents administratifs ils travaillent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et on ne comprend pas que ce soit que les directeurs, parce qu'en fin de compte les directeurs, ils appliquent la politique de la région. Et voilà, donc, par rapport au budget, la présidente ne revalorise pas ses agents. Et vous demandez un entretien ? Normalement, on doit l'avoir justement. On va faire une déclaration là, qui est ici. On a eu des documents hier par rapport au bilan du contrat social global. Donc voilà, c'est pas respectueux des représentants du personnel, c'est pas respectueux des agents, parce qu'on nous donne les documents la veille de la réunion. Donc c'est inacceptable. Soit c'est une vraie réunion pour négocier, pour se concerter, mais en fin de compte, voilà, il n'y a pas du tout ça. Donc nous, on va faire cette déclaration-là, parce que on avait déjà fait un bilan il y a 6 mois, et en fin de compte, rien n'a changé. Absolument. Non, ça fait un moment. Et voilà, et là, c'est vraiment le bilan final. Donc, donc c'est important. Mais du coup, vous demandez l'audience ? On va lui faire cette déclaration, et nous, on demande la renégociation du contrat social global. C'est une vraie négociation, parce que ce contrat social global, il était imposé suite à la fusion des régions à toutes les organisations syndicales. Tout ont voté contre et ça nous a été imposé de force. Et voilà, et c'est tout au détriment des agents. Et c'est pour ça que qu'on est vent debout, nous, Force ouvrière, et les autres aussi, mais voilà, après chacun son mode d'action, mais nous, c'est clair qu'on n'accepte pas. Donc je peux vous laisser ça. Non, il y va du coup, Christophe, non ? Allez. C'est pas vrai. Après, on a déposé la déclaration. Non, mais on va pas la voir. Je veux dire, c'est ce qu'on veut. On voulait faire la déclaration, elle est pas là. On attend depuis 12 minutes. Il y a un moment, il faut respecter notre syndicat, puis les agents du conseil régional. Qu'elle méprise les agents, c'est une chose, mais qu'elle méprise les organisations syndicales. Exactement. C'est pas normal. Elle représente le conseil régional, nous on représente aussi les syndicats. Exactement, donc nous on s'est mis... Pourquoi je suis pas étonné, moi ? Ouais, non, mais voilà, attends, ça fait 12 minutes qu'on attend. Elle s'est fait mettre un, c'est... D'Acosta n'avait pas l'air très content qu'on s'en aille, mais bon, après, voilà, je veux dire, on va pas attendre la présidente, on n'est pas à Saint-Merci, voilà. Donc voilà, on est en grève, donc on a bien stipulé qu'on était en grève. On lui a mis la déclaration, il la lira toute seule chez elle. Son livre de chevet. Voilà, son livre de chevet. Mais bon, il y a un moment, il faut arrêter. Donc c'est le manque de respect. Déjà, le vice-président Nuno, nous avait dit lors de la négociation de ce contrat social global que. Il y avait une augmentation qui avait été demandée en intersyndicale pour les plus basses catégories de 60 euros. Il nous avait dit vous pouvez vous asseoir dessus. Donc ça montre bien le respect des personnels. Donc la présidente, pareil, ne respecte pas les personnels parce qu'elle arrive 12 minutes en retard à la réunion du bilan contrat social global. Et en plus, elle n'a absolument rien changé. C'est exactement les mêmes documents et on a reçu le document hier soir. Hier soir pour aujourd'hui. Donc un document de plusieurs pages qui est là. Et donc voilà, donc par rapport à ça, étudier correctement un document comme ça, le comparer, on a vu que c'était copier-coller, on a vu aussi que le jour de carence, en fin de compte, ils gagnaient de l'argent dessus et ça ne changeait rien du tout à l'absentéisme, absolument rien. On a vu qu'il y avait des primes, si la présidente pouvait dispatcher les primes au mérite, elle les donnerait à tous les agents, ce qui ferait 200 euros par mois, aujourd'hui là. Pour tous les agents, donc catégorie C, toutes les catégories, mais elle préfère les donner à ceux qui exécutent la politique de la région, donc voilà, donc aux directeurs,
qui ramasse le gros lot, quoi. Voilà, donc, donc nous, on n'est pas d'accord avec ça, donc c'est pour ça qu'on ne participera pas à cette mascarade de dialogue social, c'est une mascarade, et on verra ce qu'on fera à la rentrée par rapport à la rentrée. À et puis la souffrance au travail existe réellement exactement. Dans tous les établissements, même au siège. Oui, et oui, justement, et c'est ce qu'on disait, qu'on constate aussi que la souffrance au travail, parce que c'est souvent de la politique d'affichage, ce qu'ils font en fin de compte, ils nous ont fait une étude des risques psychosociaux au siège et dans les lycées, et en fin de compte, c'est eux qui les créent, les risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'avec la fusion des régions, les agents, ils ont de plus en plus de déplacements, donc ils sont de plus en plus stressés, on les a fait postuler sur un poste, sur les postes de leurs collègues, enfin, etc. Et voilà, et les agents des lycées, eux, ils sont obligés de travailler 6 jours de plus gratuitement. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles parce que la moyenne d'âge des agents des lycées, elle est de 56 ans. Donc voilà, donc tout bouclé comme ça, en fin de compte, on voit bien que tout est au détriment des agents. Nous, on a perdu beaucoup. Les carrières sont bloquées. Hein, les carrières des agents de catégorie C sont bloquées. On ne peut pas avoir un vrai déroulé de carrière. Alors voilà, et au conseil régional, il y a de plus en plus d'encadrants, les directeurs qui encadrent à un moment. Voilà, donc nous on est sortis, on a donné la déclaration, on la verra, et voilà. Donc de toute façon, il n'en sortira pas grand chose de ce réunion. Donc voilà, lâche des miettes comme d'habitude. Voilà. Voilà. C'est pas aux agents du conseil régional de payer.